The year is 2040. The place is Metropia. Here, a new hero prepares for action. The man who cannot die. The ghost who walks. The Phantom. The Phantom's pledge to fight evil and injustice wherever they may be found. In this future world, in this dying city, with the fate of the Earth and all humanity in the balance, the Phantom is there. Bonjour à tous, c'est Doc McCoy et on se retrouve pour le test de Phantom 2040 sur Super NES, un jeu édité et développé par Viacom New Media, sorti en 1995 donc sur Super NES et également sur Mega Drive. C'est un jeu qui est inspiré de la série animée du même nom qui a été diffusée en France sur France 3 dans les Minicums en 94 et qui est une adaptation d'un comic de Lee Falk, le cousin de Columbo, Peter Falk. Bref. Le scénario de la série, en tout cas, c'est tout simplement, on incarne le fantôme qui est un justicier prétendument immortel, puisqu'en fait c'est un justicier qui se passe le flambeau de père en fils, et actuellement, dans le jeu, dans la série à l'époque où elle se déroule, en 2040, c'est Keith Walker Jr. qui est le 24e fantôme, qui découvre au début de la série qu'il est le 24e fantôme. Donc ça prend place dans un monde futuriste où on a des androïdes, les biotes, ça s'appelle des biotes, donc des robots, des entreprises comme Maximum Incorporated qui essayent de dominer le monde en créant des armées parallèles, en essayant d'influencer les décisions des gouvernements. C'est une série qui est assez peu connue puisqu'elle a été diffusée qu'une seule fois en France. Donc je vous avais dit en 94, avec un background assez sombre, un univers assez fouillé, des personnages aux personnalités complexes, ça je vous en parlerai un petit peu plus quand on les croisera dans le jeu. C'est vraiment une super série qui a quand même une particularité, c'est d'avoir un graphisme et un dessin assez étrange. C'est des personnages qui ont des... vraiment, c'est tout en longueur, c'est des personnages avec de longues jambes, des longs bras et surtout de longs doigts. Les corps sont filiformes, presque décharnés. C'est assez particulier, c'est assez adulte comme série, même s'il y a une certaine retenue due au fait que c'est diffusé à des heures de grande écoute pour des enfants. Mais c'est assez adulte et c'est assez complexe. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. En tout cas, bon, normalement, là, pendant que je vous en parle, je vous aurais fait un petit montage avec des extraits de la série pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente. C'est aussi, bien entendu, une série américaine, donc avec les habituels défauts de l'animation américaine, c'est-à-dire les raccords qui ne sont pas toujours très justes, les personnages qui ont des coupes de cheveux qui changent de couleur d'un plan à l'autre,
les petits défauts de perspective, mais ça reste une excellente série. Et vous allez voir que vous allez voir quelle est l'adaptation de cette série en jeu vidéo. Habituellement, on pourrait avoir peur de ce que ça peut donner, une adaptation de ce genre de série en jeu vidéo, comme toutes les licences. Vous allez voir ce que ça donne. Je me permets de vous présenter ce jeu pour voir si l'esprit de la série a été respecté, puis surtout, est-ce qu'on a affaire à un bon jeu. Donc, le menu du jeu, très rapidement, on a bien entendu Start Game, Option, Enter Password pour pouvoir reprendre la partie là où on s'est arrêté. Ça, je vous en parlerai plus tard, des passwords, vous verrez que c'est pas piqué des verres. Dans les options, on peut se rajouter des vies, ce que je vais faire, pour éviter d'avoir un game over trop rapide. On peut couper les musiques, ce qui, à mon sens, n'est pas vraiment utile, vu que la musique, vous avez pu le voir dans l'intro, est quand même de bonne facture, a priori. Et ici, on a une option qui permet de changer la narration, storyline, de complète à summarized. Je vous montrerai un peu plus tard la version summarized, je vais laisser en complète. Il faut savoir que ça, c'est une des différences, la différence majeure, entre les versions PAL et les versions NTSC. Ici, je suis sur une version US, donc vous aurez la narration en anglais. Mais c'est nécessaire parce que dans la version PAL, on n'a pas accès aux cinématiques. On a accès uniquement au mode storyline summarized, donc narration sommaire, dans laquelle, en fait, à la place des cinématiques, vous aurez du texte qui s'affiche sur un fond d'artwork qui vous explique en quelques lignes ce qui s'est passé pendant le chapitre que vous venez de passer. Parce qu'il y aura des cinématiques essentiellement avant et après les niveaux. Je vous réexpliquerai ça après. On va lancer une partie. Voilà, ça va faire partie des cinématiques que vous n'aurez pas dans les versions PAL et qu'on a en version NTSC. Donc ça, c'est Kit Walker, donc le fantôme. Et ça se passe à l'université de Metropia, donc en 2040. Metropia, c'est la ville où prend place toute l'intrigue. Une espèce de mégalopole, un petit peu à la Gotham City, un petit peu à la... comment ça s'appelle Bah, vous voyez. Vous voyez. Donc là, on voit qu'il se rend voir son ami, le professeur Archer, qui va se faire enlever. Ça démarre comme ça. Vous voyez, les superbes cinématiques, dont il serait dommage de se passer dans la version PAL. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de ne pas mettre les cinématiques? C'est parce que tout simplement, dans la version PAL, vous avez la narration sommaire, mais vous avez le choix de la langue. Ici, vous avez bien évidemment pas le choix de la langue. On arrive sur la map. Donc, vous voyez, avec le curseur, je peux faire défiler ce petit crâne qui est le symbole du fantôme. Et vous voyez qu'il y a certains endroits qui s'illuminent, mais c'est marqué à chaque fois « No access ». Vous voyez ici, « No access »,« No access ». Il y a un seul endroit, parce que c'est le début du jeu où j'ai accès, c'est l'université, pour aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc on va y aller. Et voilà, voilà le jeu. Donc très rapidement, je vous détaille les commandes. On peut sauter, on peut tirer, on peut se baisser, évidemment. On peut courir en appuyant deux fois de suite sur la touche de direction. On a un item qui est super intéressant, qui est une sorte de grappin. Je vais vous montrer ça là-bas. Vous voyez, hop, un grappin à la Super Metroid. Vous voyez, il grimpe sur les murs, hop, il peut continuer à tirer. C'est vraiment génial, ça. Ça, c'est une des particularités de ce jeu. Ici, je récupère un bonus. On peut tirer, bien sûr. Alors, quand je dis on peut tirer, on peut utiliser l'arme sélectionnée. Ici, dans le menu, vous voyez qu'on a plusieurs items. On peut changer. Ici, on peut mettre le punch. Vous voyez que j'ai, hop, un coup de pied sauté, un coup de poing. Ça, c'est pas mal. C'est assez dur à maîtriser, le combat à main nue. Mais c'est pas mal. On va remettre les armes. Ici, j'ai le grappin que je peux équiper, ce qui est assez inutile puisque j'ai une touche d'accès direct au grappin. Pour l'instant, je laisse puisque j'ai aucun autre item. Donc, début du jeu oblige, on attaque directement par un boss. Donc, qui est le vaisseau qui a kidnappé Archer.
voyez, il peut passer de plateforme en plateforme à l'aide de ce grappin. Là, je récupère des items. Et on va affronter le boss, le premier boss. Aïe. Vous voyez, musique excellente pour les boss. Alors, en haut de l'interface, vous avez la barre de vie en vert, la barre de munitions qui est commune à toutes les armes. Le nombre de vie ici, c'est 9. Et les items à droite. Donc, mappé sur Y et sur X. Ici, je récupère un nouvel item. Je vous montrerai après à quoi il sert. Et on repasse sur une phase de cinématique. Donc là, on nous explique que Archer a été kidnappé. Et que le vaisseau, le Hypercruiser qu'on vient de détruire, est possédé par une entreprise qui a ses bureaux, en fait, ses quartiers dans le secteur des entrepôts, où on peut maintenant aller. Vous voyez, j'ai débloqué, je peux y aller. Je peux aller aussi à d'autres endroits. Vous voyez, je peux aller, notamment l'immeuble de la société Maximum, je peux y aller, mais de toute façon, je serai bloqué. Vous voyez, je peux aller à Industrial Zone, je peux aller un peu partout. Je vais aller ici. Et ici, là, ici ça s'est débloqué, mais par contre, là, je peux pas y aller, voyez. Je peux aller en bas, mais pas en haut. Ça, c'est important pour la suite, je vous expliquerai après. Et ici, pareil, il y a une porte, je peux pas y aller tout de suite. Donc, je vais aller par là. Donc, c'est un jeu dans lequel il faudra faire énormément de recherches. Regardez, ici, par exemple, je viens de trouver un passage secret. Il y a certains murs qui sont friables, dans lesquels on va pouvoir détruire. Alors les items que je récupère, je vais vous montrer l'inventaire. Je suis désolé, ça fait beaucoup d'informations à la fois, mais il y a énormément de choses à dire sur ce jeu et je voudrais pas faire un test qui dure 2 heures. Dans le menu, qu'on accède en appuyant sur Start, vous voyez ici, j'ai accès, donc ça c'est l'arme que je viens de récupérer, je vous montrerai après à quoi elle sert. Ici, les First Aid Kit, donc qui permettent de recharger complètement ma barre de vie. Et ici, le Energy Aid Kit qui me permet de recharger complètement ma barre de munitions. Ça, ce sera essentiel d'en collecter un maximum pour éviter de mourir trop souvent. Vous voyez ici, pour remonter, j'ai pas le choix, je dois utiliser le grappin. Après, je peux aussi passer par en bas, vous allez voir, il y a un passage assez rigolo. Où on dirige, hop, un robot. Voilà. On est quasiment invincible pendant cette phase et on peut donner des coups de pince pour détruire les ennemis. Ça sert à rien, ça. Ici, un petit bonus encore. Là, je peux pas y aller. Hop. Alors, on a des petits ralentissements. Lorsqu'il y a trop d'ennemis ou trop d'effets de flamme à l'écran. C'est un défaut de la version Super NES. Je vous parlerai un petit peu de la version Mega Drive par la suite. Vous voyez, encore une First Aid Kit. Il faudra vraiment les collecter au maximum. Aïe. Regardez bien, au-dessus, vous voyez là-haut, il y a un passage, mais je peux pas y aller. Je vous montrerai après. Hop, ici on peut descendre. Vous voyez, là, j'ai ouvert une porte, mais là-haut, il y a une autre porte qui est fermée à laquelle je peux pas accéder. Parce que la serrure est de l'autre côté. On aura des systèmes de portes comme ça à ouvrir dans les niveaux. Vous voyez, là où c'est marqué 0, vous avez la porte numéro 0 et la serrure 0 derrière. Si je détruis la serrure 0, ça ouvre toutes les portes marquées 0. Et il y aura plusieurs chiffres. Dans certains niveaux, il y aura 5, 6, 7, 8 serrures. Il faut faire gaffe parce que les caisses, en explosant, elles envoient des flammes. Là, on va arriver à un boss. Lui, c'est Graft. Graft, c'est un personnage essentiel de la série. C'est l'ennemi numéro 1 du fantôme. C'est le responsable de la sécurité de Maximum. Et c'est surtout, en fait, un personnage avec, encore une fois, une personnalité assez complexe. Puisqu'en fait, c'est un personnage qui a été blessé dans le passé, qui a été transformé en cyborg
par Maximum, par Rebecca Madison, la patronne de Maximum. Et aujourd'hui, il est obligé en fait de faire ses quatre volontés, sinon elle désactive son système de survie. Et dans la série, on voit qu'elle passe son temps en fait à lui envoyer des sortes de décharges électriques pour le punir pour un oui, pour un non. Et grave qu'il a la capacité en fait de greffer, en fait ses jambes sont amovibles et il a la capacité de greffer donc son torse à des robots géants comme ça. Et on l'affrontera plusieurs fois dans le jeu, comme dans la série, il apparaîtra plusieurs fois. On l'affrontera plusieurs fois avec des robots différents. Donc là faut que je descende, voilà. Là vous voyez, on détruit le robot morceau par morceau. Incendiaire, ça c'est chiant. Là on va se recharger, sinon on va perdre une vie. Récupérer des munitions. Un boss pas très dur, mais c'est pas évident de pas se faire toucher quoi. Là, faut vraiment tomber au bon endroit. Voilà, pas très difficile. Un nouvel item. Là, il le questionne, etc. Bon, je vais pas vous faire le détail, hein, parce que je vais pas aller très très loin dans le jeu pour pas vous spoiler. Il y a énormément de choses à voir, mais après, je ferai un retour en arrière pour vous expliquer certains aspects du jeu. Donc, notamment, les cinématiques seront ponctuées par les interventions du Dr. Jack. Donc, Dr. Jack, c'est un présentateur télé. Qui en fait manie un petit peu l'info, puisque dans la série en fait il va régulièrement informer la police d'événements pour pouvoir ensuite couvrir ces événements avec sa caméra en fait. Il y avait de la vie de l'autre côté là. Voilà. Il y aura énormément d'exploration. Là, si je dis pas de conneries, il y a une vie. Voilà, ça c'est une vie. La tête du fantôme, c'est une vie. Oh là là là, vous voyez, ça rame. Quand il y a trop de trucs à l'écran, ça rame. Ça, c'est un défaut que vous n'avez pas dans la version Mega Drive, par exemple. Alors, je vais vous parler un petit peu des différences entre les versions Super NES et Mega Drive. J'essaierai d'incruster des captures de la version Mega Drive pour que vous vous rendiez bien compte. Même si graphiquement, le jeu est tout aussi beau sur Super NES que sur Mega Drive. Le gros point négatif de la version Mega Drive, comme d'habitude, c'est les musiques, malheureusement. Les musiques de la Mega Drive sont complètement ratées par rapport à cette version Super NES. Un autre défaut de la version Mega Drive, je suis désolé hein, pour les possesseurs de Mega Drive, mais globalement, la version Mega Drive, à part être plus rapide, elle n'a pas véritablement de qualité par rapport à cette version Super NES. Un autre défaut, c'est au niveau du gameplay, au niveau de la maniabilité. Vous avez vu que sur Super NES, on a une touche d'accès direct au grappin. La Mega Drive n'ayant que 3 boutons, la manette de Mega Drive n'ayant que 3 boutons, on n'a pas accès. Il faudra équiper le grappin comme n'importe quelle arme. Vous voyez que là, je peux utiliser le bouton X pour le grappin, mais j'ai aussi, donc c'est le bouton A. Le bouton A me sert de bouton d'accès direct. Sur Mega Drive, évidemment, il n'y a que 3 boutons, donc on ne peut pas avoir ça. Ah, on prend des... Voilà, c'est à peu près les seules différences. Moi, j'aurais souhaité, enfin, comme tout le monde, je pense, pour beaucoup de jeux, j'aurais souhaité qu'on ait un mix entre la version Super NES pour ses musiques et pour son gameplay avec les boutons supplémentaires et la fluidité de la version Mega Drive. Malheureusement, la manette déconne un petit peu. Malheureusement, c'est pas possible. Ah! Faut détruire ces trucs-là pour arrêter le... Bon, ah bah j'ai perdu une vie, tiens. Vous voyez, quand on perd une vie, on n'est pas ramené au checkpoint, on revient tout de suite. Donc ça, je vous en parlerai après, mais il y a une espèce de double système de survie dans le jeu. Les différents medikits et recharges de munitions qu'on récupérera et le système de vie. Alors, regardez bien ici, il me dit Industrial Zone 2 et il va me dire quelque chose. Go to Industrial Zone 1.
Et il me dit rien. Il me dira après. En fait, il y a un item que j'ai pas récupéré et qui m'est indispensable pour continuer. Vous voyez, lui, il faut le suivre. C'est un chasseur, lui, qui a capturé la dernière panthère noire. Et Maximum veut s'emparer de cette panthère. On sait pas pourquoi. Mais vous, on va essayer de la récupérer. Il y a tout un concept environnemental dans cette série. Ah. Find the rope extension. C'est-à-dire que là, je vais devoir aller dans cette zone industrielle zone 1 pour trouver la rope extension, donc l'upgrade de la corde, l'upgrade du grappin. Ah, c'est pas vrai. C'est pas toujours évident à manier. Voilà. Là, je vais pouvoir grimper là-haut. Là, j'ai déverrouillé cette serrure. Je sais plus à quoi ça sert. Je crois que c'est pas par là qu'il faut aller, mais c'est pas grave. Vous voyez, ça, c'est un endroit où j'aurais pu aller tout à l'heure, avant d'aller à la warehouse, à l'entrepôt. Et ici, je vais pouvoir récupérer des bonus. Et hop, trois recharges de... Weapons First Aid. Donc, trois recharges de munitions. Il faudra énormément fouiller, hein, je vous l'ai dit. Là, j'ai pas l'élément qui me permet d'ouvrir la porte. Hop, alors pour y aller là. Vous voyez, là j'utilise ces sortes de palets qui balancent et qui permettent en fait de... Tiens là, j'ai ouvert cette porte là, ça va me donner des bonus. Qui permettent d'éteindre les incendies. Ici, il n'y a rien. Ici, il faudrait ouvrir la porte 3, mais j'ai pas accès à la serrure. Bon, je vais aller chercher le rope extension, c'est pas par là. Aïe. C'est plutôt par là. Voilà. C'est par là. Là, j'ai détruit la serrure de je sais plus quel niveau. Alors, j'aurais pu y aller tout droit chercher ça. C'est-à-dire que moi, je venais de par là. Mais il n'y avait pas ce pont. Et en fait, on peut sauter. On arrive à sauter par-dessus. Hein, mais il vaut mieux trouver la serrure 0 pour pouvoir ouvrir cette... Enfin, déclencher cette passerelle. Parce que sinon, on perd des vies bêtement, en fait. Oui, mais il y aura plusieurs façons de progresser. Donc là, j'ai un grappin plus long. Ce qui va me permettre d'atteindre des endroits autrement inaccessibles. Donc ce que je vous disais, cet item-là me permet de récupérer de la vie en éteignant les feux, en fait. Voilà, Tracker. Tracker, c'est le nom du... C'est le nom du chasseur. En fait, je vais aller jusqu'au password du premier niveau. Et après, je referai un tour en arrière pour vous expliquer l'aspect non linéaire du jeu. Là, je vous montre un petit peu le gameplay. Vous voyez, ça rame ici parce que regardez, hop, il y a plein de flammes, il y a plein d'explosions. Il y a un piège à con, là, je suis tombé dedans. Vous voyez, là, je me grouille, mais je devrais fouiller, normalement. Regardez, ça rame. C'est terrible. C'est dommage. C'est pas tout le temps, mais... en gros, si on veut se la jouer pacifiste et éviter de tuer trop les ennemis, on va avoir des problèmes de ralentissement. Y a pas un... Non. Non, faut remonter plus haut, là. Non. Là, ici, c'est là. Ça, c'est une recharge complète de nos armes. Alors, la barre de munitions, elle est commune à toutes les armes. Par contre, je crois que je suis revenu un peu trop bas, là, non? Si, j'arrive ici. Merde. Là, il
Là, il faut pas aller par là. Non, c'est pas par là. C'est par là. Voilà. Il faut prendre la petite plateforme ici. Aïe. Ici, vous voyez, encore un first aid. J'en ai 6 déjà. 6 et 7. Ça aussi, c'est un aspect que je vous expliquerai un peu plus tard. Ici, on va descendre. Là, on voit qu'il y a quelque chose. Les murs friables, on les reconnaît au bruit. Hein. Au niveau des ennemis, on a une certaine variété, même si c'est souvent des biotes. On aura des biotes, des mercenaires, mais on aura aussi différents types de biotes. Certains à moto, d'autres avec différents types d'armes. Voilà, tracker. Alors ici, on a une plateforme, mais on peut y aller au grappin. Alors ici, on peut récupérer les bonus, mais je vais pas le faire, sinon je vais encore tomber dans des trous. Ah si, ce qui est amusant, c'est que vous voyez, il y a un scrolling qui défile derrière. Mais si j'avance, ça bloque. Vous voyez, regardez. Si j'avance, ça se bloque. Et après, quand j'arrête d'avancer, c'est amusant. C'est un petit détail, je sais pas si c'est un bug ou si c'est une limitation de la console. Mais en fait, quand je me mets à avancer, quand je vais dans le sens inverse du scrolling, parce que là, il va de droite à gauche. Si je vais de gauche à droite, et si je vais de droite à gauche, comme ça, j'ai perdu une vie, c'est pas grave. Si je vais de droite à gauche, le scrolling, il n'y a pas de souci. Par contre, quand je vais dans le sens inverse, le scrolling s'arrête. Le scrolling de l'arrière-plan s'arrête. C'est assez particulier. Je me souviens pas avoir vu ça dans d'autres jeux. Ah, ça rame un petit peu. Hop, on arrive au boss, tracker. Chaque boss aura sa technique. Lui, c'est facile. Il suffit d'éviter. En fait, il va nous balancer un filet qui nous immobilise. Il suffit de l'éviter. Ensuite, on évite le canon. Il y a 2 mercenaires qui vont nous tomber dessus. On les tue. Hop, voilà. Si on est pris dans le filet, il faut faire droite, gauche, jusqu'à ce qu'on soit libéré. Hop, voilà, c'est assez simple. Mais la première fois, on se demande quand même comment on va faire. Voilà, je suis pris. Bon. Vous voyez, droite, gauche, et c'est tout bon. Voilà, un boss assez simple. Là, on récupère des palets explosifs qui permettent de faire sauter des endroits. Et on a toujours l'intervention de notre ami le Dr. Jack. En gros, là, comme dans la série et dans cette partie du jeu, il va colporter les rumeurs comme quoi c'est le fantôme qui est responsable des différentes attaques, des différents troubles dans la ville. Il va colporter cette rumeur qui va être alimentée par les gens de Maximum. Donc vous allez devenir aussi pour la police, parce qu'il y a quand même la police, hein. Il y a beaucoup de milices privées, mais il y a encore un système de police. Pour la police, vous allez aussi devenir le criminel recherché, un petit peu comme Batman. Moi, j'adore vraiment l'ambiance du jeu, les musiques, les bruitages, tout ce qui se rapporte à la série, mais aussi, tout simplement, le fait qu'ils aient réussi à adapter l'esprit de la série dans ce jeu. Pourtant, ils n'ont pas spécialement repris des thèmes de la série. Là, vous voyez qu'on a franchi un chapitre. On va avoir droit à un password. Là, je vous explique un petit peu ce qui se passe. On a récupéré la panthère noire que convoitait Maximum. Et là, on va avoir un choix à faire. Et là, je vais vous parler de l'aspect non linéaire du jeu. On a cet homme, là, monsieur Mr. Kero, qui nous demande en fait de lui échanger la panthère contre des informations pour trouver le professeur Archer. Donc, vous allez voir ce qu'on peut faire. Vous voyez ? Là, le fantôme se demande à qui il va donner la panthère. Est-ce qu'il la donne à son ami Guran,
qui va la remettre dans la jungle fantôme pour qu'elle puisse pour qu'elle soit libre, ou est-ce qu'il va le donner à Mr. Kero, qui va en faire on sait pas quoi, parce qu'on sait pas exactement qui est ce Mr. Kero. A priori c'est quelqu'un de neutre, mais on ne sait pas. Donc là, vous allez avoir le premier password, et là on touche à un des défauts majeurs du jeu. Il n'y a pas de pile de sauvegarde. Donc vous avez les sauvegardes qui se gèrent dans leur entièreté, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que tout sera sauvegardé, votre progression, les gens que vous avez vus, les items que vous avez récupérés, l'inventaire, l'état de la barre de vie, le nombre de vies restants, etc. Par contre, ça fait quand même 4 lignes de 3, 6, 9, 12 caractères. Dont certains peuvent être, vous voyez, des points d'interrogation, c'est vraiment tous les caractères. Donc il n'y a pas de clavier sur Super NES, vous le savez, donc il faudra rentrer ça en moulinant avec les touches de direction. C'est regrettable que pour ce type de jeu, ils aient pas mis de pile de sauvegarde, et vous allez voir pourquoi. Donc là, je zappe, je ne note pas le password. Mais ici, on va devoir choisir entre Mr. Kero et Guran pour savoir à qui on va donner la panthère. Et alors, le choix ne sera pas anodin, puisque Mr. Kero va nous donner une carte d'accès pour ouvrir une porte dans le niveau suivant. Et par contre, Guran va nous indiquer un raccourci pour atteindre plus facilement une partie des égouts qui nous sera utile, mais on n'arrivera pas au même endroit, il faudra vraiment passer dans un autre niveau. Le jeu a donc un aspect non linéaire du fait des choix qui nous sont proposés. Je vais faire un retour au début du jeu. On se retrouve tout de suite au début du jeu pour que vous voyez un autre choix que j'aurais pu faire tout à l'heure. Voilà, ici on se retrouve dans le premier niveau, l'université, comme tout à l'heure. On est à peu près, on est au même niveau du jeu, j'ai juste chargé une save state. Tout à l'heure je suis allé à droite, et vous avez vu que je pouvais aller à gauche. Je peux re-rentrer dans l'université. Vous allez voir, hein, c'est un niveau à part entière, donc là je n'ai pas l'item qui me permet d'éteindre les feux, donc je suis obligé de les éviter. Là, je sais plus très bien où il faut aller. Hop. Et ouais, c'est un niveau à part entière. Hop. Je me dépêche parce que je voudrais vous montrer ce qui se passe si on passe par là. Alors ici, vous voyez qu'on a des... Ah. Voilà. Ici, vous voyez qu'on a des portes, mais qui sont bloquées. Et il faudra l'item qui est représenté sur la porte. Ça fait un petit peu penser à Super Metroid. Je vous l'ai pas encore dit, mais d'une manière générale, ce jeu a beaucoup de points communs avec Super Metroid. Vous voyez ici, je trouve un mec, un corps. Le mec est vivant. C'est un collègue du professeur Archer qui va nous expliquer ce qui s'est passé. Donc les biotes ont détruit le laboratoire et Archer a disparu. Et là, il nous parle de Owens Industries dans le district des entrepôts et il nous donne une carte pour accéder à l'entrepôt. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, on a la même séquence que tout à l'heure, mais avec un texte différent. On se retrouve sur la carte et on arrive au niveau des entrepôts, comme tout à l'heure. Par contre, la porte du bas est fermée et la porte du haut est ouverte maintenant. On va passer par le haut. Donc on avait bien deux chemins alternatifs dès le premier niveau. Dès le tout premier niveau, on avait la possibilité de choisir un autre chemin. Les caisses, je vous dis, il faut faire attention à ne pas les faire exploser de trop près parce que... Sinon, bah, on se fait tuer. On prend du dégât. Vous voyez, s'il y a un item que je vais accéder comme ça. Ça, c'est une extension de ma barre de munitions. Ça, je ne pouvais pas y aller tout à l'heure. Je ne pouvais pas accéder à cette zone. Donc, je ne pouvais pas avoir cet item-là. Ici, un autre item. «
hop, une extension de ma barre de vie. Donc en fait, en passant par là, j'ai eu accès à deux extensions que je ne pouvais pas avoir tout à l'heure. Mais en contrepartie, je n'ai pas rencontré l'Hypercruiser, et donc je n'ai pas l'item qui me permet d'éteindre les feux. Cet item-là, je ne l'ai pas. Je ne l'aurai pas, a priori, dans cette partie du jeu. Donc j'ai dû faire un choix. J'ai choisi de passer par un endroit. J'ai choisi de passer par un endroit et en fait, la progression, vous voyez, je trouve d'autres bonus. Ma progression dans le jeu va être différente. Vous voyez ici, je suis à un autre endroit et je peux pas, absolument pas accéder à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Vous voyez, c'est bloqué. Et là, j'accède à cet endroit-là qu'on avait vu tout à l'heure, la porte 0. Et ici, vous voyez que la porte 1 par où je suis passé en début de test, elle est fermée, je peux pas y accéder. Donc c'est bien deux passages différents et avec aucun moyen de repasser à l'autre endroit pour récupérer par exemple les items que j'ai eu tout à l'heure. Mince. Et là, on va de nouveau se retrouver contre Graft. Donc vous avez... donc je vais zapper, je vais repartir là où j'étais tout à l'heure. Donc ici, je vais choisir le passage avec Mr. Kero. Parce que visuellement, ça va être un petit peu plus simple pour moi de vous faire le test sur ce passage-là. Donc là, le fantôme se demande quand même qu'est-ce qui va arriver à la panthère. Mais bon. Alors, toujours sur l'aspect non linéaire du jeu, ici, on est dans le repère du fantôme. Si je vais de ce côté-là, j'accède à un niveau qui s'appelle la jungle fantôme. Jungle fantôme 1. Un système de numérotation, un petit peu comme dans Alien 3, les secteurs. Mais vous voyez, je peux rien faire ici. C'est une zone qui m'est accessible, mais je peux pas y aller. Je peux plus rien y faire, en fait. Et l'autre côté, c'est pareil. Si je vais à droite, j'aurai un autre niveau Ghost Jungle. Pour l'instant, je ne peux rien y faire. Mais plus tard, je pourrai certainement avoir des choses à y faire. Ici, je vous montre rapidement, dans le repère du fantôme, on a accès à la carte, mais on a aussi accès à des informations. Vous voyez, par exemple, je peux avoir des informations sur le Dr. Jack, dont je vous parlais tout à l'heure. On m'explique que c'est quelqu'un de neutre vis-à-vis du fantôme, un vidéoreporter qui envoie des informations en même temps qu'il les reçoit, et son opinion est partiale, notamment vis-à-vis du fantôme. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de Graft, je peux avoir des informations sur Graft. Donc, je peux accéder à plein d'éléments de la narration pour savoir qui est qui, pour mieux comprendre, notamment pour les gens qui ne connaissent pas la série, mieux comprendre les tenants et les aboutissants de la narration. Donc, concernant toujours les... Là, on va attaquer le niveau suivant. Concernant toujours les choix dans les niveaux, vous voyez ici j'ai plein d'endroits où je peux aller, mais en réalité j'ai rien à y faire puisque par exemple ici je vais vous montrer le maximum building. Vous voyez, j'arrive ici et par contre là je peux pas passer, il y a une porte et on voit qu'il y a un symbole. Ce symbole, ça me donne une idée de l'item qu'il me faut pour passer. Ici il me faut l'item d'invisibilité. C'est quelque chose que je vais récupérer, peut-être pas dans cette vidéo, je vais voir. Il faut aller dans les ruines. Vous voyez, eux, ils parent mes coups avec leur... Ici, il y a un autre upgrade, mais je crois que je peux pas y aller. Alors, c'est bon. Je crois que je peux pas la récupérer. Je vais me recharger les munitions. Hop. Vous
Hop. Je crois que je peux pas le récupérer ici. Ah, peut-être avec le cet item-là. Les explosifs. Non. Je peux en déposer pas mal. Non, je peux pas récupérer ça. Bon, bah, tant pis. Non, je me suis trompé, là. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais, moi ? Oui, donc, l'aspect non linéaire du jeu, le fait qu'on puisse faire des choix qui influenceront notre progression, le fait qu'on puisse, avec nos choix, parce que ça, je vous l'ai pas dit, mais quand on fait des choix, ils sont parfois assez radicaux. C'est-à-dire que, par exemple, l'entrepôt, une fois qu'il a explosé, je peux y retourner, mais je pourrais rien... Merde, je me suis trompé. Je pourrais rien récupérer de ce qu'il y avait avant. Là, ouvrir une porte. Celle-là, enfin, cet interrupteur-là. Je sais plus ce que ça m'apporte, mais... Hop. Hop. Moi, j'adore ce système de grappin, là. Parfois, c'est un peu fastidieux, mais bon, on y arrive, hein. Très souple, hein, le fantôme. Il se fait pas mal en tombant. Alors ça, c'est un passage assez relou. C'est-à-dire que lui, on peut le tuer, mais il faudra surtout essayer de l'éviter. Parce qu'en plus, il fait super mal. Faut passer... Merde, j'ai plus de munitions. C'est pas ça que je voulais se tromper. Donc, ce que je vous disais, l'aspect non linéaire du jeu, je vais y arriver, hein, ça fait quand même vachement penser à un RPG. Pas un RPG au sens jeu vidéo, vous avez un système de stats, etc. Mais plutôt un RPG, un jeu de rôle papier, où vous faites des choix qui vous permettent, qui changent les endroits où vous allez aller, qui changent la narration de l'histoire. Ah, je peux. Non, je peux pas. Je peux pas l'éteindre, il est trop haut. Ça sert à rien de lui passer au-dessus, vu que il va nous reculer dessus, après. Hop. Bon, on va enfoncer, voilà. Ah, je suis retourné l'autre côté. Ça, c'est chiant, ça. Du coup, les caisses seront ouvertes, ouais. Et les bonus sont perdus. Il faut vraiment fouiller, il y a des items partout. Donc on a un jeu qui ressemble quand même pas mal, qui est très inspiré d'un Super Metroid, avec des éléments de RPG. Ah, il y avait un truc qui cassait là. Non ? Ouais, en haut peut-être. Voilà. Hop. Voilà. Donc un jeu... inspiré dans son gameplay, dans son aspect assez ouvert quand même, même si on a une map, c'est un jeu assez ouvert, c'est-à-dire qu'on a plusieurs passages par où on peut aller au sein des niveaux et sur la carte. On a un aspect RPG qui est très prononcé, notamment narratif, mais pas seulement, puisque je vous l'ai dit, vos choix influenceront vraiment votre progression dans le jeu. Là, par exemple, si j'avais pas récupéré l'item qui me permet d'éteindre les feux, j'aurais plus de problèmes à récupérer de la vie. Même si là, je joue n'importe comment, je me fais tuer très très rapidement, mais bon. C'est pas par là. Ça doit être plutôt là-haut. Un truc que je vous ai pas montré, c'est que le grappin, normalement, immobilise pendant un certain temps les ennemis, mais très peu de temps, en fait. Hein. Certains ennemis, vous leur donnez un coup de grappin, ils vont arrêter de bouger. Voilà, ici, vous voyez, ça a ouvert une porte. Et cette porte, ça me permet de faire baisser le niveau de l'eau dans les égouts qui sont en dessous. Voilà. Là, je peux pas y aller, il n'y a rien, là. Vous voyez cette porte-là? Il y avait une porte, ici. Que je peux ouvrir grâce à la carte de Mister Kero.
Et là, je vais descendre dans les égouts. Vous voyez ici encore une porte, on ne sait pas trop où ça mène, mais il faut un item bien particulier pour l'ouvrir. Un item ou un objet. Parce que là, vous voyez que j'ai accédé ici grâce à un objet, à une carte d'accès que m'a donné Mr. Kero. Mais ça peut être aussi, comme chez Maximum, un item particulier. Donc là, ça me permet d'accéder à un autre niveau du jeu qui est sur la carte. La Biot Factory. La Battleship Factory. A priori, je peux rien y faire, sauf... Vous allez voir... Sauf récupérer ça, l'item d'invisibilité. Et là, on va aller donc chez Maximum. Donc, qui est... Enfin, je vais pas dire que c'est le dernier niveau du jeu, mais c'est quand même la base de l'ennemi principal du jeu. Et là, ouais, je me présente devant la porte. Je vais utiliser l'invisibilité. Ça va déclencher une cinématique. Chose que je n'aurais absolument pas pu faire si j'avais donné la panthère à Guran. J'aurais dû aller en fait dans un autre secteur des égouts. J'aurais dû combattre un mini-boss et ensuite je me serais retrouvé dans la Battleship Factory et j'aurais dû affronter ce mec-là. Enfin, pas ce mec-là, mais le vaisseau de ce mec-là. Mais ça aurait, j'aurais pas pu libérer Archer en fait. Là, le but, ça va être d'aller libérer Archer. Chose que je n'aurais pas pu faire probablement pas tout de suite si j'avais choisi de donner la panthère à Guran. Vous voyez là j'ai plus de munitions. Ah, j'en ai récupéré un petit peu. Mais un autre type de biote, un petit peu à la T-1000. Vous voyez, ça rame un petit peu, il y a des portes qui s'ouvrent et tout. Je vous l'ai dit, hein, c'est le... Un des principaux défauts de cette version, c'est les ralentissements. D'ailleurs, alors là, ici, on a un système de... Vous voyez, ça, c'est toujours un système de portes et de serrures, sauf qu'ici, c'est des ventilateurs. Là, je peux pas passer. Il faudrait que j'active le bouton numéro 4. Enfin, la serrure 4. Si j'active la serrure 4, les ventilateurs numéro 4 seront désactivés. Ici, encore un item caché. Donc concrètement, quelles sont les qualités de ce jeu? Bah, sa réalisation déjà. Graphiquement, au niveau de la musique, c'est quand même une tuerie, c'est un super jeu. Moi je trouve ça, c'est... Si on accepte les ralentissements, c'est fluide, c'est beau, c'est rapide. C'est très maniable également, la maniabilité est vraiment au poil. On n'est pas sur quelque chose de lourd et laborieux. Et là, j'arrive à le manier quand même assez bien, notre ami Kit Walker, le fantôme. Ici, encore une porte fermée. Il va falloir que je trouve des serrures quand même. Ah, passage secret. Voilà, serrure numéro 2. Et j'ai pas encore vu de porte 2, donc je sais pas trop où ça me mène. Ouais, je retourne ici. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Les défauts, les qualités de ce jeu. Donc, au niveau des qualités, une réalisation au poil, une narration vraiment très réussie, très conforme à l'esprit du jeu. Vous voyez, là, je peux retourner au début. Sauf que je ne peux pas retourner ici, mais si je retourne au début, qu'on était tout à l'heure, normalement, je peux récupérer... Alors, je ne sais plus où est le début, où est la fin. Je peux récupérer l'item qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, je ne sais plus comment on y va. Je suis un peu perdu. Donc les... comment dire, l'univers de Phantom 2040 est très bien retranscrit. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Non, c'est pas par là. Très, très bonne retranscription de l'univers de la série. Il y a une porte. Non, c'était pas par là. C'était plutôt par là. Non. Là, c'était là où j'avais ouvert une porte. Peut-être qu'on peut pas y retourner à l'endroit de tout à l'heure. C'était pas là déjà.
Très bonne retranscription de la série sur ce jeu. Bonne maniabilité. C'est surprenant d'ailleurs parce que on est quand même sur un... On est quand même sur un éditeur qui est pas très connu, hein, Viacom New Media. C'est un éditeur qui a fait des jeux basés sur la licence Beavis and Butthead. Mais à part ça, on les connaît pas très bien. Et alors, d'après ce que je sais, le jeu a quand même été plus ou moins, le développement du jeu a quand même été plus ou moins encadré par Acclaim. Ça pourrait expliquer que le jeu soit, enfin, est quand même peu de ratage au niveau des fondamentaux du jeu vidéo, à savoir, la maniabilité, à part les ralentissements, je vous dis, la réalisation. Il y a peu de défauts à ce niveau-là. Et ça, c'est le signe quand même d'une certaine expérience. Alors, soit les gens de chez Viacom New Media ont recruté des développeurs chevronnés d'autres studios, soit c'est vraisemblablement un éditeur, enfin un développeur connu comme Acclaim qui a chapeauté le tout en fait. Et là, on peut passer par là. Je sais plus si c'est par là qu'il fallait passer. Je sais qu'on va affronter un boss. Alors, au niveau des défauts, bah déjà, si on n'accroche pas à l'ambiance de la série Phantom 2040, forcément, on a beaucoup moins envie d'y jouer. Hein. C'est un jeu qui repose quand même, dont l'ambiance repose quand même à 100% sur celle de la série. Une petite vie, là, je peux pas y aller. Je crois que c'est par là, enfin. Ouais, il y a un truc de munitions. Je vais bientôt affronter un boss, je pense. Donc, les défauts, je vous ai dit, la version Mega Drive a des défauts caractéristiques, notamment la musique. Ah bah, revoilà donc le boss, Graft, dans un nouveau robot, vous allez voir. Un robot différent. Je sais plus comment on le bat, lui. Ah, je vais vous montrer une autre arme, tiens. Cette arme-là, c'est des espèces de mines qu'on accroche sur l'ennemi. Regardez, hop. Ah, faut que j'utilise le bon bouton. Vous voyez, ça s'est accroché sur sa tête et en explosant, ça va lui faire du dégât. Lui, il me balance des petites mines. Je perds des vies, là, c'est terrible. Ouais, faut grimper, en fait, quand c'est comme ça. Ah, merde! On peut faire ça aussi, on peut le bourriner en restant en haut. Pas une bonne idée, mais... Ah! Voilà, là, on va rester en haut pour éviter les flammes. Voilà. Donc, je suis désolé, hein, c'est pas évident de me concentrer sur le jeu et de vous parler un petit peu des défauts et des qualités. Les défauts, clairement, je prends mes notes, ça ira mieux. Donc, si on n'accroche pas l'ambiance, effectivement, il y a un intérêt assez limité. Ah! Il y a un intérêt assez limité. Et puis, un des défauts, c'est quand même la difficulté à deux vitesses. Vous m'avez vu récupérer énormément d'items. Donc, au début du jeu, quand on ne sait pas trop qu'il faut chercher dans les niveaux après les items... Ah bah, je l'ai déjà battu, là, ça va. Pas très dur, en fait. Quand on ne sait pas qu'il faut chercher après les items, eh ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre quand même pas mal de vie, on va perdre quand même pas mal de temps aussi. Là, j'ai libéré le professeur Archer. Mais une fois qu'on a compris que c'était un jeu où il fallait explorer, où il ne fallait pas hésiter à faire marcher sa curiosité, à chercher dans les niveaux. Vous voyez, là, j'ai tracé le niveau de maximum. Ce niveau-là, je l'ai tracé. Mais j'aurais pu aller dans plein d'endroits. Je suis sûr que j'aurais trouvé plein d'items. Donc, dès qu'on commence à bien explorer, à trouver des items, ça devient trop facile. Parce que déjà, on a plein d'items pour se recharger la vie. On trouve des vies aussi. Donc, on commence à accumuler les vies.
Et en fin de compte, le jeu devient plus facile puisque même les moments difficiles, on a suffisamment de vie et suffisamment de réserves d'énergie pour affronter en fait le jeu, pour affronter les difficultés du jeu. Donc il y a une difficulté à deux vitesses. D'abord, c'est super dur et dès qu'on a compris un petit peu le principe du jeu, le jeu va devenir beaucoup plus facile, voire même pour certains trop facile. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que même si la musique est d'excellente facture, avec des boucles assez longues et de très bonne qualité, certaines musiques reviennent assez souvent. Malheureusement, il y a des très bonnes musiques dans ce jeu, mais elles reviennent pas, elles sont pas très variées. Elles sont bonnes, mais pas très variées. C'est vraiment dommage. Et puis enfin, le gros défaut de cette version Super NES, c'est les ralentissements. Et bien sûr, le système de password. Ça, le système de password, c'est horrible. Pour un jeu dans lequel on a une liberté d'un Super Metroid avec des éléments de RPG, c'est quand même dommage de ne pas avoir mis de pile de sauvegarde. Mais bon. Là, je crois qu'on a passé un chapitre. Alors par contre, au niveau de la replay value, le fait qu'on puisse aller à différents endroits, avoir des chemins alternatifs, dont certains qu'on ne peut pas reproduire dans la même partie, qu'il faudra refaire une partie et faire d'autres choix, ça augmente énormément la replay value du jeu. Hein, si vous essayez de récupérer tous les items, essayez de faire tous les niveaux pour voir qu'est-ce qui se passe à tel endroit, qu'est-ce qui se passe si je choisis tel choix et pas un autre, il y a une replay value énorme. Donc ça c'est vraiment un gros point fort du jeu. C'est une adaptation réussie d'une série qui est de très bonne qualité. Avec des petits défauts, mais franchement, pour un éditeur inconnu, même si je vous disais ça a probablement été chapeauté par Acclaim, hein, mais pour un éditeur inconnu, un développeur inconnu, c'est une belle réussite de pouvoir faire une adaptation de licence aussi bonne. D'autres développeurs habitués du développement console, comme Probe, qui sont habitués également du développement de licences de séries télé et de films, n'ont pas forcément la même réussite. On a eu des jeux propres comme... Il y en a eu plein. Il y a eu beaucoup de ratages. Alien 3, que je vous ai testé dans mes premiers tests, c'était plutôt une réussite. Mais il y a eu énormément de ratages pour ce studio-là qu'on pourrait croire expérimenté. Donc, une belle réussite. Un bon jeu, pas dénué de défauts, mais original dans son gameplay et original dans sa conception avec ce système de... J'avais ma manette qui déconnait. Avec ce système de déroulement non linéaire et de narration matinée d'éléments de RPG. Donc j'ai été ravi de vous tester Phantom 2040 sur Super NES. C'est un jeu que je vous conseille de faire. Évitez de vous spoiler le jeu en allant chercher des Solus. Essayez de chercher par vous-même. Si vous trouvez les endroits où il faut aller. Ah oui, c'est chiant. Ah oui, j'ai trouvé une nouvelle arme, tiens. Le spread. Par contre, je comprends pas pourquoi ça me balance des mines. Ah oui, si. Alors, le spread, je vous montre. Le spread, en fait, il me démultiplie. Ah non, c'est pas ça. Alors, on va le mettre là. Non, là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait si je mets spread et spread? Oh, c'est génial. Regardez-moi ça. Je peux tirer en continu dans toutes les directions. C'est une arme absolument cheatée. Et par contre, elle consomme énormément de munitions. Les armes les plus puissantes consomment beaucoup de munitions. Parce que là, en gros, je peux mettre n'importe quelle arme de... N'importe quelle arme de tir que je peux mettre, que je mets avec le spread, y compris le spread lui-même, ça me permet de dédoubler cette arme. Et là, vous voyez, les munitions, ça descend vite, hein. Et ça rame surtout. Quand on utilise cette arme-là, ça rame. Ça permet aussi de trouver plus facilement les passages secrets. Donc, vous voyez, un jeu, comme je vous disais, avec... effectivement, quand on voit ce genre d'arme et quand on voit le nombre d'items qu'on peut récupérer, c'est véritablement un jeu avec une difficulté mal dosée. C'est le gros défaut du jeu, je pense, à mon sens. C'est... cette difficulté mal dosée. D'abord, le jeu paraît très ardu, mais ensuite, il s'avère très facile. Ou alors, il faut vous pénaliser en choisissant dans le menu des options de mettre un nombre de vies 5 ou moins.
peut mettre jusque 10, mais on peut mettre aussi moins de 5. Aïe. Ici, il faudra trouver des serrures et tout. Un aspect recherche très poussé. Et là, je tombe dans le trou. C'est génial. Là, je crois que je reviens au début. Bon, on va se laisser là parce que ça, le test, là, je suis déjà à quasiment une heure d'enregistrement. On va se laisser là pour ce test. J'espère que vous avez apprécié le test de Phantom 2040. J'espère que vous avez apprécié le jeu et que ça vous donnera envie d'y jouer. Je m'excuse pour le manque de clarté parfois de mes propos. C'est vrai que je m'embrouille un petit peu. Mais vraiment, j'ai eu quelques critiques sur les tests en off par rapport au côté non spontané. C'est ce que j'avais peur en faisant des tests en off, c'est d'avoir un contenu très bien retranscrit. C'est-à-dire que je pouvais dire exactement ce que je voulais dire, mais avec le côté naturel qui s'en va en fait. Donc c'est pour ça que j'essaye de vous faire des tests en live un peu mieux construits, mais où vous avez malheureusement toujours un petit peu d'hésitation sur le propos. Je vais essayer d'améliorer ça, essayer de moins faire d'hésitation lorsque j'essaie de vous expliquer quelque chose, essayer de moins me couper la parole, mais croyez-moi, pour ceux qui font des tests et qui m'écoutent, c'est pas évident, vous le savez, et je vous garantis pour ceux qui ne le savent pas que c'est pas un exercice facile. Mais c'est toujours un plaisir de vous tester des jeux, notamment des jeux peu connus et quand même assez sympas comme celui-là. Merci à tous donc d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour un prochain test. C'était Doc McCoy. Salut. Something's definitely rotten in the city-state of Metropia, and I'm talking purple putrescent. Tonight's target, that indigo instigator of insurrection himself, the Phantom. Tonight's special guest, my new best friend, Commander Hubert Graff, Chief of Maximum Security. Hubert?